Een mooie opname waar ook onze gast vanmiddag een beetje op zat mee te wiegen. Erik Lignini, welkom in onze Clara-studio. Hallo, hallo. Bonjour, on va le faire en français. Oui, oui, voilà. Super. Ça a été le concert? Oui, oui, c'était un merveilleux moment. J'ai trouvé que le public était particulièrement attentif. Il y avait une écoute et de la magie, ce qui est très très rare, je trouve, dans des endroits aussi grands. J'ai vraiment retrouvé l'écoute et le partage qu'on peut avoir dans des endroits plus petits comme les clubs. Et là, à Middelheim, il y avait vraiment énormément de monde et je sais pas, c'était un concert fantastique. Ouais. Qu'est-ce que vous avez avec Les McCann? C'est qui pour vous? Alors, Les McCann, c'est un pianiste évidemment des années 60. Ça a été un pianiste que j'ai beaucoup écouté il y a une dizaine d'années en fait. Ça a été une influence majeure pour moi. Ce que j'aime chez lui, c'est la simplicité du discours harmonique, mais avec pas mal de raffinement et une couleur extrêmement church, gospel. Et voilà, moi, c'est à un moment donné de ma vie, c'est ce que je cherchais à intégrer dans mon jeu. Donc du coup, j'ai énormément écouté ses disques, aussi bien les disques en trio. Il a enregistré pour Pacific Jazz, donc il y a une dizaine ou une quinzaine de disques sur Pacific. Trio, quintette, et puis c'est un magnifique chanteur aussi. C'est quelqu'un qui chante la soul incroyable. Et puis évidemment, il a eu énormément de succès dans les années 70, les années 70, avec Eddie Harris et le Come Party What, le live à Montreux. Est-ce qu'il sait que vous faites ça aujourd'hui? Non, pas du tout. On a hésité. C'est vrai que j'avais vraiment envie de l'inviter sur des concerts. Mais je sais qu'il n'est pas en forme, il est vraiment très malade. Et voilà, on n'a jamais rien envoyé, mais on devrait, je pense, lui envoyer de la musique. Ouais. Faire ça. Ouais. Eric Lignini, vous habitez en France, et en France, on vous appelle Dr. Groove. Pourquoi vous êtes si fasciné par ce soul jazz, ces grooves? Alors, moi, j'ai grandi quand j'étais en Belgique. Donc, quand j'étais adolescent, j'ai énormément joué de funk musique. Notamment avec Frank de Reuter, hein, quand on était, il est un tout petit peu plus âgé que moi. Et j'étais ado, on jouait beaucoup de funk, donc Sly and the Family Stone, évidemment Herbie Hancock. Et je pense que ça a vraiment marqué mon amour pour le groove, en fait, pour le groove et parfois des harmonies plus simples et essayer de justement avoir un discours et de pouvoir développer. Mais c'est basé avant tout sur le rythme et sur le groove et le plaisir en fait de bouger, de danser ou de voilà. Et c'est ce qui me touche profondément dans la musique. Oui, mais vous faites cette musique un peu plus raffinée. Ouais, c'est ce que j'essaie, c'est-à-dire que de temps en temps, il peut y avoir une connotation parfois négative quand on dit bon, c'est du groove. Et soul jazz. Ouais, ou soul jazz, c'est une appellation un peu fourre-tout. Et moi, ce que j'essaye, c'est d'amener du raffinement et parfois un peu de complexité, que ce soit dans les solos ou dans l'harmonie, avec justement cet élément qui, pour moi, est capital, du groove, de la tourne. Et c'est ce mélange qui m'intéresse. Oui, vous habitez France, vous travaillez beaucoup avec des musiciens français. Oui, enfin, ouais. Seulement Antoine Pierre, Liège, mais il est beaucoup à Paris. Quelle est encore votre connexion avec la scène belge? Il y en avait déjà une sérieuse ce soir avec Antoine Pierre. Ouais. Je les ai invités plusieurs fois, même Jean-Paul et Steven Hart. J'essaye de suivre les musiciens plus jeunes, Robin Verheyen, que je connais très très bien aussi, qui fait un parcours incroyable. Voilà, bon, je suis dans les plus vieux maintenant. Avant, j'étais dans les jeunes musiciens. Mais voilà, c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours eu une scène avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de virtuosité, un beau discours en Belgique. Et donc, voilà, j'essaye d'amener petit à petit certaines personnes à Paris dans mes projets, comme ça a été le cas en tout cas avec Antoine Pierre ou Jean-Paul Estevena. Het is niet ver, hein, Parijs, hein, in België. Nee, Parijs, c'est pas loin. Mais voilà, et toujours le bienvenu ici. Mais voilà. Merci pour le concert. Dank u wel voor het heerlijke concert.